Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être le dernier workout de l'été. Laissez-moi essayer de m'ajuster afin de voir si on voit bien mon petit tapis, vu que tout va se passer au sol aujourd'hui. Donc, à la demande de Chloé, j'ai fait un petit workout qui va travailler vraiment beaucoup les abdos et du cardio. Il n'y aura pas beaucoup de pauses aujourd'hui. Le workout devrait durer environ 19 minutes. Donc, on va travailler une nouvelle façon. J'ai préparé aujourd'hui trois blocs. Dans chaque bloc, il va y avoir quatre exercices. Il va en avoir trois pour les abdos, plutôt c'est comme des crunchs, la planche, des pulsations. Et il y en aura trois. Et ensuite, il y aura un exercice plutôt rapide comme le mountain climber, mais qui travaille aussi au niveau des abdos. Donc, ce petit bloc, on va travailler pendant 20 secondes. On va juste prendre 5 secondes pour s'ajuster pour le prochain exercice sans vraiment prendre de pause et on va répéter ce bloc-là trois fois. Après avoir fait ce bloc, on va avoir 1 minute de cardio. Donc, deux mouvements de 30 secondes. Ça sera toujours les mêmes. Ça sera toujours le high knees et aussi le switch kick que je vais vous montrer plus tard. Et ensuite, on va passer au bloc 2. Dans le bloc 2, il va y avoir encore quatre nouveaux exercices qu'on va répéter trois fois, avec la minute après avant de passer au troisième bloc. Donc, je vous montre les quatre exercices de chaque bloc et ensuite on fera notre échauffement et on commencera. OK? Donc, je vais ajuster mon petit tapis pour être sûr qu'on me voit correctement. Je vais baisser ma caméra, je crois. Excusez-moi pour ce petit délai. OK, super. Donc, notre premier exercice, ça va être le crunch. Donc, crunch normal, les jambes fléchies, les bras derrière la tête sans pousser sur ta tête et on va venir contracter nos abdos pour pouvoir faire un crunch. Ensuite, on va se tourner sur notre bras gauche et on va faire une pulsation de côté en planche. Donc, les pieds, hop, et ensuite on pulse. Si c'est trop difficile, bien sûr, vous pouvez mettre la jambe ici pliée et garder comme ça. L'important, c'est vraiment de travailler au niveau des obliques. Et après les 20 secondes, on va se faire un petit tourniquet pour se mettre de l'autre côté et bien sûr la jambe comme ça, ou encore une fois, tu peux allonger ta jambe, la plier, mettre l'autre en extension et pulser. Ensuite, on va se tourner pour l'exercice rapide de mountain climber, les mains sous les bras, les jambes, et tu peux le faire rapidement ou aussi tu peux le faire lentement, tout dépendamment de ta forme aujourd'hui, de ta capacité de faire les mouvements rapides. Ensuite, on se lève pour 1 minute de cardio. Et là, la minute cardio, ça va être les high knees. Avec mes bras, je fais ça. Donc, en même temps, mon torso se twist. Donc, 30 secondes comme ça. Et ensuite, on fait 30 secondes de kick. Donc, hop, je tape avec mon pied. Donc, j'essaie de me tourner. Donc, je commence avec une jambe dans les airs. Je le mets par terre et je tape avec mon autre pied, comme si je voulais pousser une porte. Et avec mes bras, je prends les bras vers mon corps, je pousse vers l'arrière. Donc, en même temps, ça fait hop, hop. Et si tu ne veux pas vraiment le sauter, tu peux seulement taper comme ça. Donc, en même temps, tu contractes vraiment tes abdominaux. Donc, ça, c'est notre bloc 1. Pour le bloc 2, on commence avec le crunch, mais cette fois-ci, on va l'alterner. Donc, les bras derrière, on reste toujours contracté au centre. Donc, jamais je vais reposer mes bras, mon dos complètement en bas. Donc, je vais venir aller à droite. Ensuite, à gauche, au contraire, vice-versa, et toujours en prenant une pause au milieu. Ensuite, je m'installe je reste sur le dos et je vais, avec mes mains, aller toucher le côté de mes talons. Au contraire, nos obliques. Donc, je m'en vais toucher. Donc, si tu es comme moi, tu n'es pas très flexible. Hop, j'avance mes pieds et je touche au niveau de mes talons. Mes épaules sont toujours décollées du sol, donc je garde toujours mes abdominaux contractés. Ensuite, je me mets sur mon ventre et là, cette position est un petit peu spéciale. Donc, les pieds vont venir se toucher comme ça, OK? Et vos mains vont venir ici et là, vous allez contracter. Donc, vous allez sentir au niveau de vos fessiers ici, au bas du dos et haut du dos. Hop, et on contracte, on pousse, on lève. Trop difficile, on peut juste tenir la position pendant 20 secondes. Ensuite, on se lève pour notre petit mouvement et main ici, on vient faire toucher le genou opposé, hop. Ensuite, on descend en squat et on saute. Ça, c'est un petit mouvement de 20 secondes après les trois mouvements de nos abdos. Et ensuite, on commence avec la minute, du high knees et du switch kick. Troisième bloc, reverse crunch.
Donc, on s'allonge sur le dos. Avec le bas des abdos, tu viens pousser tes hanches. Donc, ce n'est pas mes mains qui poussent, mais c'est vraiment le bas de mes abdos qui pousse mes pieds vers le haut, vers le ciel. Ensuite, on va faire side to side dip. Donc, en position sur les avant-bras, de planche, on vient avec nos hanches toucher ou aller vers le bas du sol. Et le dernier, on va finir avec une planche statique. Et ensuite, notre petit mouvement va être les ski jumps. Donc, il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Hein, Claude? Et pour terminer tout ce workout avec les derniers high knees et switch kick. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous rappeler tout ça avant de passer aux exercices. Ça devrait bien aller. Prenez une petite gorgée d'eau parce qu'on commence. Je vais mettre mon écran en plein écran. Je peux pas. Non, OK. Donc, c'est parti. On commence avec 10 jumping jacks. 6, 7, 8, 9, 10. On va faire 10 high knees. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va se faire 10 butt kicks. Donc, je ne sais pas si c'est Ludivine qui regarde avec sa petite fille. Parce que je sais que Chloé, Clara, Karine sont tous partis en road trip. Mais ils vont regarder plus tard. Et on va faire, vous savez quoi, pour réchauffer nos abdos, on va se faire 5 inchworms. Donc, on commence en position, on va marcher pour se mettre en position de planche et on revient. 5 fois. On réchauffe nos épaules. Hop. Dernière fois. Donc, 2. Avant-dernière. Hop. Et on se relève. On va venir ouvrir nos bras. On va pulse 2 fois derrière et on va se donner un grand câlin. Bon, voyons d'être là ce matin. Donc, ça sera le dernier workout ce matin. Et pourquoi? Parce que dans 2 semaines, on recommence l'école et mon chum recommence à travailler. Déjà, on va commencer à travailler déjà. Donc, je vais en profiter pour me déconnecter un petit peu des ordinateurs. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'appuie sur ma minuterie et on commence avec... Je ne vois rien sur ce petit iPad. Et vu qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de... Brightness. Hop, c'est beaucoup mieux. Vu qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de... On fait le temps. Il faut que je compte la minute 30. Alors, on est prêt. Dans 10 secondes, on commence avec les crunchs. Donc, 20 secondes, ça passe assez rapidement. Je me mets là pour que je puisse voir. Et c'est parti. Crunch. Expirez lorsque vous êtes en train de pousser vers le haut. C'est important que votre tête elle reste dans vos mains. 10 secondes et on va se changer pour le side plank. Attention. Donc, le 7 secondes passe vraiment super rapidement. Je vais passer un petit peu le volume. Attention, et c'est parti. Side plank. Hop. Je vais essayer après. Donc, je te rappelle que ton bras devrait être sous. Je vais m'ajuster sous ton épaule. Hop. Utilise vraiment tes muscles. 10 secondes. Du côté gauche pour pousser vers le haut, côté droit. Si toi, tu as décidé de commencer par le côté droit. Attention, on change de côté. Ça va assez rapidement. Et c'est parti. Donc, soyez juste content d'avoir allumé votre ordinateur, d'être là aujourd'hui. Appréciez ce petit moment. Si vos enfants le font avec vous, le font avec vous, ben c'est super. 5 secondes. Et après, on va se mettre en mountain climber pour le 20 secondes. Et c'est parti. Hop, sur les mains, les poignets, sous les épaules. Let's go. Inspirez bien. Contractez vos abdos, votre dos. On va être bien aligné avec le sol. 10 secondes. Et on va se remettre en position de crunch pour le deuxième set. On se tourne sur le dos, on enchaîne. Vous vous rendez compte que, ouais, il n'y a pas beaucoup de pause ce matin.
Mais ça va être effectif. C'est parti. Ça va passer plus vite. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Nous, on s'en va en vélo tout de suite après. On va commencer à faire du kayak et de la planche tous les jours. C'est super. On se met sur le côté pour le side plank. On a découvert des super endroits ici à Marine. C'est parti. Hop. Et on a notre nouveau double kayak. On attend notre nouvelle stand-up paddleboard demain qui arrive. Hier, on est allé dans la baie de San Pablo. Il y avait assez de vent. 5 secondes, on ne lâche pas. Et je n'ai pas pu me mettre debout sur ma planche, il y avait trop de vagues. Attention, c'est parti. Côté. Lâchez pas, vous pouvez toujours modifier si c'est trop difficile. C'est mieux de modifier que de laisser tomber. 5 secondes. Les épaules commencent à brûler. Aussi, c'est très bien. Attention, mountain climber. On s'installe. Toujours vérifier votre forme. Que vous soyez bien positionné. Et c'est parti. Set numéro 2, presque terminé du premier bloc. Et ensuite, dernière fois, avant notre minute de cardio. Et on aura 30 secondes de repos. J'ai oublié quand même de vous dire ça. Entre le deuxième bloc et le premier bloc. Attention, on s'installe sur le dos. Crunch. Et c'est parti. N'oubliez pas d'expirer. C'est de avoir votre nuque, le cou vraiment relax et non super contracté. Attention, side plank. Repoter. Vérifie. Coude, épaule et c'est parti. OK. Dernière fois de ce bloc. Ensuite, après les mountain climbers, on va se lever pour les high knees et les kicks. Switch kick. 10 secondes, lâchez pas. Je sais que ça brûle. Et on change de côté. Je suis en transpiration déjà. J'adore ça. Ça veut dire que c'est effectif. Et on est parti. OK, dernier. Planche, pulsation de côté. C'est ma traduction inventée. Nous venons d'exercice en français. 5 secondes. Attention, mountain climber. Et moi sur les épaules. Et on est parti. Et après, vous allez sûrement entendre que l'iPad va dire rest, mais j'ai mis 1 minute 30 de rest pour la minute de cardio parce que ça va rentrer dans aucune plateforme. Et on se lève debout. Et high knees, let's go. Donc là, on se fie à moi pour regarder la mimétrie. Je ne sais pas si vous voyez ma tête parce que moi, je ne la vois pas dans mon écran. C'est pas grave. C'est vraiment de contracter vos obliques avec vos bras quand vous tournez. Il nous reste 10 secondes et ensuite on passe en switch kick. 5. Attention, switch kick. Donc ça nous donne un petit repos. Pensez que vous avez, vous tenez un gros sac d'épicerie là. Et là, la porte est fermée. Et vous voulez la pousser. Il nous reste 10 secondes. Je parle d'équilibre. Je me retourne de l'autre côté. 5. Et repos. Donc, vous avez 30 secondes pour boire de l'eau. Et on va s'installer au sol pour les crunchs alternés. Ensuite, toucher le côté de nos talons, de nos chaussures, allongés sur le dos. Et la pulsation Superman que je l'appelle. Donc, il me reste 15, 10 secondes. On s'installe sur le dos. Et notre exercice cardio dans les trois,
Ça sera double crush jump. Alors, c'est parti. On va à gauche, au milieu. Je laisse jamais mes épaules complètement décontractées, mes abdos. Expirez bien. Je peux vous monter. On reste sur le dos. Vous pouvez décontracter. On approche les talons des fesses. Et on monte et on touche le côté. Vous expirez à chaque fois que vous allez sur le côté pour toucher la langue. Vous allez à votre rythme. C'est pas obligé de toujours me suivre. On essaie d'avoir la nuque. Je sens que je suis en train d'avoir le cou qui est tendu. Et on se met sur le ventre. Avec les pieds qui se touchent. Pour faire le cœur, les mains derrière le dos. Et on contracte. Expirez lorsque vous essayez de monter ou décoller du sol. 5 secondes et on se lève debout pour le double jump cross. On se lève, main derrière la tête et on vient toucher notre genou opposé. Hop, hop, descend en squat, saute. Hop, hop, descend en squat, saute. Et lorsque tu... C'est un genre de crunch, mais debout. Donc, contractez votre genou, dépasse. On arrête. La minute, high knees. C'est parti. Ah non, pas du tout. Pardon. Faut alterner crunch, alterner crunch. Ah, rien. Ah oui, on arrive. Attention. Side to touch. 2 secondes. Alors, je disais, à chaque fois que, c'est parti, que vous, quand vous êtes debout, vous faites des exercices où votre genou dépasse vos hanches, vous contractez vos abdos sans vous apercevoir. Donc, tous les exercices comme les top jumps, les canines, les double crunch, comme je fais, ça vous fait travailler vos obliques. Donc, on se met en position. Pour le pulse en Superman, et là je vais pas me tromper après. Attention, c'est parti. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas beaucoup, c'est important de décoller les cuisses du sol ou rester, c'est trop difficile, rester seulement en contraction sans faire la pulsation. Contractez vos fesses et on se met debout pour. Double crush jump squat. Et après, on retourne au sol. Non, on ne fait pas la minute. C'est parti. Hop. 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 10 secondes. Hop. Hop. Poussez bien les fesses quand vous allez faire le squat. Poussez vos bras pour sauter plus haut. Et on retourne au sol un petit dernier. Hop. Crunch alterné et c'est parti. On reste toujours les épaules levées du sol. On s'en est décontracté. On expire bien. Vous fermez vos yeux, ça vous aide. Je vais vous dire qu'en changer, je peux toujours vous fier à moi. Des fois, j'oublie les exercices. Et on pose les épaules au dos, au sol. On va toucher les talons. Dernier set de ce bloc. Et c'est parti. Si c'est trop facile, vous pouvez toujours pousser vos pieds beaucoup plus loin que vos fesses. C'est comme ça. Donc, j'aime pas trop aller trop loin. Je vais passer. Et il reste 3 secondes. On se met sur le ventre. Et 7 secondes. Je vais viser juste pour le changement. Ça va se faire hyper vite. Et c'est parti. Hop. Dernier exercice de ce bloc. Il nous reste 1 minute. Et après, on va avec le dernier bloc. Et vous allez avoir fini. On expire bien. Et on se met debout. Double crush jump squat. Et c'est parti. Je commence un petit peu avant. Hop.
Et ensuite, on s'en va faire notre minute que j'ai voulu faire tout à l'heure. Attention, il nous reste 10 secondes. Et c'est parti pour les high knees. 30 secondes de high knees, 30 secondes de switch kick. Et ensuite, vous avez votre 30 secondes de pause. Vous allez pouvoir boire ou vous allonger par terre pour vous. Vous évanouir. Donc après, dans le prochain bloc, je te rappelle reverse crunch, side to side dip et la planche avec le ski jump. 2 secondes et on se change pour les switch kicks. Et c'est parti. Chaque fois que je kick, j'expire en même temps. Vous sentez que ça marche bien sur mon cardio. J'utilise mes bras. Ici, on va propulser. Il me reste 5 secondes. Lâchez pas. 4, 3, 2, break. OK, vous voulez de l'eau. Ensuite, dernier bloc. Reverse crunch, side to side dip plank. And ski jump. On s'installe, 15 secondes. Reverse crunch. Je vous rappelle que c'est le bas des abdos qui pousse les pieds vers le sol. Sinon, vos mains au sol, la tête par terre et les pieds en l'air. Et c'est parti. Et on pousse. Vous pouvez prendre une modification. Allez à gauche ou à droite si vous voulez vous oublier pour qu'on les travaille dans l'exercice d'après. Vous pouvez juste rester sur le dos. Il y aura 5 secondes. Et ensuite, on se met en position de planche sur le bras pour faire le dip de dip. Les coudes devraient être sous les épaules. Et c'est parti. Ne touchez pas vraiment le sol. Vous descendez vraiment près du sol. Vous expirez à chaque fois que vous tournez. Quatre secondes. Et on se met en position de planche. 20 secondes. Pour après se mettre debout et faire des speed jump. C'est parti. C'est très difficile sur les mains. Vous pouvez rester sur vos coudes. C'est important de contracter vos abdos, vos fesses. Le dos est droit. La tête est alignée. Il reste 5 secondes. Je tremble. Et on se met debout. Pour les ski jumps. Et attention, on est parti. 20 secondes et ensuite on retourne au sol. Il va rester 2 répétitions de ce bloc. Et après, vous allez pouvoir aller avec votre super journée. Jouer avec vos enfants. Aller au parc. Pour une balade. Ou du vélo. 3 secondes, on est fiers de vous. Et on s'installe au sol. Et on est parti. Reverse crunch. C'est parti. Let's go. Vas-y. On pousse. On expire bien. On va se mettre en seconde. Et on va se mettre sur les avant-bras. Okay. Ça a été. Et c'est parti. Ne manquez pas, je sais que c'est difficile. Mais vous êtes presque. Modifié, c'est trop difficile de tourner. Parce qu'en position de planche. Moi, je trouve que des fois, quand on est statique, c'est plus difficile que de bouger. 3 secondes. Position de planche. Et c'est parti. Bien les abdos, les droits. Sentez tous les petits muscles qui travaillent dans votre corps. Il nous reste 7 secondes. J'ai essayé entre 20 et 30 secondes par exercice. Et je suis contente que j'ai choisi 20 secondes. Et on est parti. Il vous reste seulement un bloc après ça. Et bien sûr, la minute. Je ne sais pas si vous êtes en train de transpirer comme moi.
Je vais te dégouliner. 10 secondes, j'adore ça. Également, on commence un super nouveau programme. Et dernière fois, on s'installe au sol. Et donc, comme aujourd'hui, je réfère ce programme aussi. Après le backlash. Et on est parti. Oui, je pense, c'est ce que je fais. C'est là que je me dis que ça commence à me rentrer dans la tête. C'est le dernier reverse crunch que le bureau met. Et on va faire 5, plus 5, 2. Alors, dernier exercice, lâchez pas tout le monde, vous êtes capable, fier de vous. Cinq secondes. Haute planche, la planche. Regardez bien votre front parce que là, c'est là quand on est fatigué, on commence à laisser notre dos ou tendrer et on n'est plus vraiment aligné. On se dit 10 secondes. Ensuite, petit ski jump et on a fini. On se met debout. Ski jump plus notre minute. N'oubliez pas la minute. Et c'est parti. Hop. Chloé, j'espère que tu vas être satisfaite avec ce workout. Tu m'enverras une belle photo de ta petite tête après l'avoir fait avec la sueur qui dégouline. Il vous reste 5 secondes et après il vous reste 1 minute et on a terminé. Et c'est parti. High knees. On va mettre 4 repos. Celle-là, je n'ai pas la minute. Et je sens que je vois pas trop. C'est pas grave. Là, je n'ai pas. C'est là, vous donnez 45 secondes la journée. Vous êtes capable de donner tout ce que vous avez. Ça va nous redescendre les genoux. On reste 3 secondes. Et switch. Kick. Dernier 30 secondes. Donnez tout ce que vous avez. Poussez avec vos mains. Ça fait des portes et des portes et des portes que vous voulez pousser. Vous êtes capable. Vous allez être fiers de vous après. 5 secondes. Hey, top. Je te dis bravo. On va se mettre au sol. Et je vais te demander d'abord de t'allonger. Alors, sur le ventre, comme ça. On child pose un peu. Et retrouvez votre rythme de respiration. Concentrez-vous à. Quelque chose que vous allez faire aujourd'hui, quand vous allez ouvrir votre frigo, si vous allez aller au ce qui vous prend un tout petit peu plus de temps à préparer, ou la chose qui est déjà prête, ce soir vous allez prendre la chose qui est plus, un peu plus de temps à préparer, qui est mieux pour votre santé. Ça marche sur le dos, et on est allongé notre corps le plus possible pour étirer nos abdos. Et là, on s'assoit doucement. Et on ouvre les jambes. En même temps, on va prendre notre bras. On va pousser notre épaule parce que les épaules, vous n'en avez peut-être pas rendu compte, mais vous avez travaillé dans tous les plaies. Le side dip. Le bras. On se met sur nos genoux. Un par terre. On vertige, on donne le dog. Et on donne doucement pour moi. On se lève une vertèbre à la fois. Et on inspire. On expire. Bravo, bravo d'avoir été là. Bravo d'être venu cet été avec moi, les sites web.